Et beauté Nabino les gens, c'est Mouibi et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette saison. Cette saison maudite, hein. Et guettez comment on était bien parti. Et puis là, mise à jour, c'est fini. On ne sait plus jouer au football. On a même changé le changement, on a tenté le changement tactique. Ça n'a pas payé. D'ailleurs, on va revenir au 4-3-3 qui nous a si bien réussi pendant trois quarts de la saison. On va croiser les doigts contre Tottenham, hein. On a beaucoup d'absents. On a Salvi, notre meilleur buteur, qui est absent parce que il a pris un rouge au match d'avant. On a Plata, notre latéral droit, absent parce qu'il a pris un rouge au match d'avant. Donc voilà, on joue contre Tottenham, match à l'extérieur. C'est une grosse équipe, on va se faire tabasser les fesses. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a égalité avec Man U en termes de buts. La différence. Ah, ils ont marqué. En termes de différence de but, donc il va falloir qu'on marque plus de buts qu'eux, tout simplement. Qu'on gagne tout le match, déjà. Et qu'on marque plus de buts qu'eux pour être champion. À partir du moment où ils ont. Oh, Cassidy. Dommage. On peut shipper un ballon. Allez, c'est bien, lâche-la. Oh, mais c'est grave, ça c'est. Allez, Kamavinga. Oui, avec ton 6,7 de moyenne sur la saison là. Merci mon frère. Kang est béni, c'est bien. Toi aussi, toi quand tu es en forme, l'équipe est en forme. C'est bien, 1-0. Ah non, c'est Arsenal qui avait marqué, du coup on passe leader pour l'instant. A savoir du coup que si Man U marque, eux ils vont repasser devant parce qu'ils ont une meilleure attaque que nous. Même si on a la même différence de but. Donc voilà, il faut également surveiller. Oh non, on va se prendre un but. Oh là là. Je pense que Van de Voort, depuis 10 matchs, il a fait 3 arrêts. On revient au scénario où on passe derrière. c'est Manchester City là qui prend la tête avec cette victoire qu'ils ont. Faut pas oublier Chelsea aussi, parce que Chelsea ils sont derrière nous, mais ils ont des matchs en moins. Donc faut vraiment pas les oublier. Quelqu'un peut défendre? Genre défendre? Le mot défendre? Oh, Van de Voort, merci, enfin! Est-ce que défendre ça vous dit quelque chose? Allez, le long ballon de Van de Voort, est-ce que ça va passer? Ça ne passe pas, hein. James avec Bastoni. Ouh, sur le coin comme ça. Le ballon n'est pas sorti là. Pourquoi je sens qu'il va avoir un rouge encore? Avec Yang et Benny. Ouais, c'était dur, c'est vraiment dur. Hein. Je crois que Man U a marqué. Ouais, Man U a marqué, il passe premier. C'est pas le scénario parfait. C'est pas le scénario parfait, les gars. Allez, faut qu'on prenne ce ballon et qu'on aille marquer là. Même une victoire 2-1, ça m'arrange. Par rapport au 1-0 de United. Kamavinga, la deuxième passe D. Pour Emerson. Fabiano. Allez, c'est bien. Ça te donne de l'espoir. Oh, ce serait parfait, 3-1. Allez. On va arrêter. Kamavinga. Ah, Kamavinga, le clutcher. Oh. Merci Eduardo. Ah, je veux pas me porter les, je veux pas parler. Ah, on a vu que City a marqué, ça c'est pas cool. Georgiev fait une belle passe. Ah, elle est vilaine ta passe, frère. Ok, Mavinga, peut-être la troisième passe, dommage, Navarrete qui n'arrive pas à conclure derrière. Navarrete, je le vois trop comme un enfant, genre. C'est un peu comme Vinicius, tu vois, il a la balle, il est petit, il est rapide, mais bon, c'est à peu près tout, quoi. Un petit quatrième but. Aïe. Non. Pas de 3-2. Allez, la défense. Défendre. Il a défendu et c'est revenu pile comme par hasard sur lui, tu vois. Oh, pas mal, la relance. Allez, Kang Ebeni, là. Lâche-la, mon frère. Lâche-la. Bien, Georgiev, qui vient... Donner. Allez, tu la lâches. C'est bien. Et Cassidy, toi tu avances. Toi c'est ton but. Oui. 4-1, c'est magnifique. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Par contre, je vois un truc, c'est que j'avais pas calculé, mais. Ouais, Chelsea. Oh, magnifique. Oh, dommage. Ouais, non, j'avais pas fait très gaffe. Mais Chelsea.
Oh, magnifique! Parfait! Oh, si Blackburn fait match nul, c'est parfait. On va faire les deux changements qui restent, là. Kiang et Benny, tu sors pour Fernandez, Navarrete, Sancho, hop. Que ça reste comme ça, s'il vous plaît, le match de Chelsea. S'il vous plaît. Simon Souza est blessé. Non, tu vas continuer. Est-ce qu'il est à moi-même, Simon Souza? C'est qui, Simon Souza? C'est moi, c'est Bruno Souza que j'ai peut-être, non? Non, il n'est pas sur le terrain. C'est un joueur heureux, ça. Allez, 4-1, c'est très bien. Je veux bien, genre, qu'il se passe rien. Bon, à la limite, 5-1, quoi, mais... Je n'y crois pas trop. 4-1, c'est déjà incroyable. Ouais, c'est bien, ça. J'aurais dû, après, tester le but, genre, en mode faire sortir. Non, pas 4-2, pas 4-2, pas 4-2, pas 4... Non! Pas 4-2! C'est fou, ils ont deux temps forts, ils mettent deux buts. Van de Voort, il a arrêté que des tirs sur lui. Je mets pas la faute sur lui, hein, parce que bah, il est vraiment pas aidé par sa défense ni par son attaque. Hein. Ouais, Fernandez. Oh, la journée qui s'est passée exactement comme on en avait besoin, quoi. Oh yes. Oh, je suis soulagé. La série de défaites là qui s'arrête. Et surtout, genre, on reprend notre destin entre nos mains, mais de ouf. Mais genre complètement. Heureusement qu'il y a Tottenham, hein, quand même. Heureusement qu'il y a Tottenham. Genre tout le mois d'avril, là, on n'a pas gagné un match. Du coup. Oh non, Chelsea qui a égalisé. Oh non, frère. Enfin, qui a marqué. Oh non. Oh non, viens pas casser les pieds. Ils ont égalisé à la combien de 95e encore. 90e. Ah, du coup, c'est Chelsea qui a l'avantage, là. Hein. Bon, par contre, ils jouent Leicester, Liverpool et Arsenal. Faut croiser les doigts. Nous, on joue Leeds à domicile et Newcastle à domicile. Donc voilà, on a presque le destin entre nos mains. En tout cas, il n'y a plus que Chelsea qui a plus son destin entre nos mains que nous, vous voyez. Faut pas qu'on passe à égalité de points avec City parce qu'ils ont une meilleure différence de but que nous. Et faut pas qu'on fasse n'importe quoi par rapport à Man U. Bah, allez, on avance tranquillement. Oh, elle va m'avoir cette saison. Il joue quand Chelsea là? Il joue demain là, dans 3 jours? Contre. Il joue contre Arsenal là? Il joue lundi. Oh, ils vont enchaîner samedi, lundi, mercredi. S'ils gagnent les 3 matchs, c'est scandaleux. Et vous allez voir, ils vont gagner contre Arsenal et ils vont perdre contre Nantes. Vous allez voir. Plata suspendu pour 2 matchs supplémentaires. Ouais, là, on va faire appel quand même parce que. Faut qu'on essaye de compter sur lui quand même pour la fin de saison. Parce que s'il prend 2 matchs supplémentaires, ça fait 4 matchs. C'est-à-dire qu'il est absent pour les 2 dernières journées. Et on aimerait bien qu'il soit là au moins pour la dernière. Emerson Fabiano, nouveau contrat. Pourquoi vous voulez des nouveaux contrats alors qu'on n'a rien gagné, les gars? Restez très calme. Pour l'instant, vous n'êtes personne. Allez, c'est aujourd'hui Chelsea contre Arsenal. Version. Oh non. Bon bah, Plata absent jusqu'à la fin de la saison, les amis. Il a pris les 4 matchs. Oh, Van de Voort qui se prend un petit coup aux adducteurs. Allez, Arsenal. Un petit... Au moins un match nul. Arsenal, on vous aime. Le destin entre nos mains. Qui l'eût cru? Franchement, ça se trouve, en fait, genre, FM, ils savent que je fais des vidéos de ce let's play là sur YouTube. Ils veulent mettre un suspense de ouf pour le dernier épisode. Parce que c'est vrai qu'à un moment, c'était pas drôle. On avait 10 points d'avance à la mi-saison. Enfin, le jeu, il se disait, ouais, vas-y, il va pas y avoir de viewers. Au lieu de faire 8 vues, il va en faire 3. Ah non, en tout cas, là, on est gâté niveau suspense. Hein. Ça, c'est sûr. On était quand même parti à la mi-saison. Sur une saison à combien de points? Pardon. Sur une saison à 96 points de moyenne. Et bon, vous voyez, seconde partie de la phase. En vrai, on est la meilleure équipe derrière les grosses équipes, mais... voilà quoi, 11 points derrière Manu. Voilà, l'année dernière, on a fait combien de points? 75, donc on a déjà fait mieux que l'année dernière. C'est déjà cool. C'est pas assez cool pour moi. Quand est-ce qu'ils jouent leur deuxième match en retard, Chelsea, là? Est-ce que c'est genre mercredi prochain?
Ça a l'air d'être mercredi prochain contre Liverpool, donc ils vont être fatigués. Ah, il y a Emerson Fabiano se discuter de, la, ah, de l'avenir. Vous êtes relou, les gars. Vous êtes vraiment relou. Ok, ça va. Lui, il est pas comme Sancho, genre il accepte qu'on en discute à la fin de la saison, quoi. Oh, ce match contre Leeds. Ça, vous le sentez, le traquenard contre Leeds ou pas? Vous le sentez arriver ou pas? Ispizois rallie les troupes. Quel Ispizois a déclaré que ses coéquipiers de l'AFC Bournemouth doivent avoir pour objectif de remporter tous les matchs restants à jouer, pour commencer par celui face à Leeds ce samedi. Avec seulement deux rencontres à disputer avant la fin de la saison, l'arrière-gauche de Bournemouth est conscient du fait qu'en cas de victoire, son équipe peut garder son avance en championnat et damer le pion à ses adversaires, parmi lesquels City, United, Chelsea, Liverpool. Verne à la Union. Ça marche bien. En fait, vu qu'on est censé être des underdogs, le truc de genre personne nous attendait là et tout, genre pas de pression, ça marche très très bien. Que quand t'es genre expecté de 4ème, un truc comme ça, ouais, là on nous attend en Ligue Europa quoi. On nous attend pas en. On nous attend pas à la lutte pour le titre. Quand t'es espoir qualification pour la Ligue des Champions et que t'es premier à deux journées de la fin, si je leur dis pas de pression, t'inquiète, personne nous attendait là. Ils vont pas être très contents quoi. Navarre était quand même, genre il a beaucoup de vitesse comme je disais, il est technique, mais il a quand même du physique hein. Il a des trucs genre équilibre, agilité, c'est comme je vous le disais, c'est un peu un Vinicius quoi. Ça ressemble à quoi la fiche de Vinicius? Ouais, c'est un peu ça, sauf qu'il y a un peu plus d'attaque quoi. Ah, il y a test physique. Test physique. Faut pas que j'oublie de faire mon banc. Tarcisio, allez, mon frère. Allez, 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 allez. On va devoir jouer avec Perez, du coup, sur l'aile droite. Salvi est revenu. Comme par hasard, quand même, le premier match où Salvi, l'escroc, là, qui marque des buts dans les matchs perdus, est pas là. On gagne le match. Si on perd, je dirais que c'est entièrement de sa faute. Allez, deux matchs à jouer. Deux victoires, on est champion, les gars. Deux victoires, on est champion. Ah, Musek. Kiangé béni. Est-ce qu'on va marquer sur la première action? Oh là, le dépassement. Second poteau. Ça va arrêter. T'es Vinicius, frère. T'es vraiment Vinicius. Aïe, 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 aïe. Yapiyapo. Est-ce qu'on la récupère direct? Si on la récupère pas, c'est dangereux. C'est bien. Bon, c'est bien magnifique de contrôle orienté pour effacer le joueur. Comme Vinga le clutcher. Ah non, pourquoi tu frappes? T'as fait deux passes D et un tap-in le match d'avant. Bon, pourquoi est-ce que là, genre, tu t'es dit, je vais faire une frappe. Par contre, non, s'il te plaît, vraiment, Nandez, c'était vraiment pas le match pour faire un carton rouge, quoi. Oh, Yapiyapo. C'est bon que ce soit pas aujourd'hui qu'il fasse le match de sa vie. Noël Kene qui fait une percée. Bien joué, Fabiano qui se bat. Allez, Salvi, pas de croquage. Pas de croquage! Pas de croquage! Pas de croquage! Allez, pas de bashing. Manu qui gagne, Chelsea qui gagne. Il n'y a que City qui gagne pas, là. Donc on est obligé de gagner. Hein. Je ne pense pas déjà que Chelsea va faire autre chose qu'une victoire aujourd'hui. Allez! Luis Navarrete! Navarrete! Regardez-moi! Une grosse souris pour un grand joueur. Oui! Allez, pas de gag. Cette victoire, elle est entre nos pieds, là. Le problème, c'est qu'on va jouer une équipe de Newcastle qui sera pas sauvée à la dernière journée. Donc, il vaudra tout jouer à fond. Et un petit but de la tête. Oh, magnifique. Par contre, gardez un peu des buts, les gars. Ok, la différence de buts, c'est bien, c'est important. Mais on n'est plus dans un scénario d'égalité possible. Donc, gardez des buts pour en mettre sur le prochain match, s'il vous plaît. Kiangé Béni. Encore un but de la tête? Non. Ah, il fallait pas. Il a gardé son but. On lui a demandé de garder des buts pour le match d'après. Il a gardé un but pour le match d'après. Bah non, il l'a pris. Ok, c'était très bizarre comme tête. C'était très bizarre. Oh, mais tout rentre.
J'allais dire un truc genre, ouais, Salvi, là, maintenant, il a posé son but à 4-0, mais c'est lui qui a marqué le premier. Je ne peux rien lui dire. Je ne peux rien lui dire. Kamavinga, qu'est-ce que tu fais? Faut bien qu'ils marquent un but sur leur seule frappe, quand même. Bah oui, obligé. Obligé. C'est quand même comme ça que ça se passe, c'est le tarif habituel, quoi. Une frappe, un but. Ouais, heureusement qu'on en met 5, hein. Parce que là, ils vont avoir une deuxième frappe, ils vont mettre un deuxième but. Oh! Heureusement que c'est resté dans ses mains. Mais par contre, vraiment, genre Van de Voort, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Genre, je sais que tu dis à tout le monde que t'es un gardien de but professionnel, mais tu gardes pas beaucoup les buts, quoi. Oh, on va arrêter. Oh, Salvi, le triplé. Oh, il y a 5-1. Pas de bashing. J'espère qu'on sera au moins aussi efficace sur les coups de pied arrêtés dans le match pour le titre. Hein. Je vais sortir du coup Souza pour éviter qu'il se prenne un rouge. On a déjà un suspendu pour le match du titre. Pas envie qu'il y en ait deux. Oh, Kangi Beni qui a 9,9 de notes. D'avoir été qui est fatiguant. On va mettre Sancho. Remplacement classique. Hein. En tout cas, on a soigné la différence de but aujourd'hui. Il n'y a que City genre qui pourrait être devant nous en termes de différence de but, je crois. Bien joué Perez qui a bien suivi son vis-à-vis. Mais du coup, faut venir reprendre ton couloir. C'est bien. Ok, on les force à revenir en arrière. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Je pense pas. Mais on sait jamais, ça peut être rigolo. De toute façon, on sait comment ça se finir. Ça va faire un grand parpaing. Voilà. Sur Cassidy, frappe croisée, but. Deux frappes de but. Non, trois, deux, pardon. Trois frappes de but. C'est scandaleux, hein. Vraiment, la défense est scandaleuse. Genre, on est revenu à cette époque où de FM... Genre, c'est, en fait, on est revenu sur le premier match engine où jouer la possession, les actions tranquilles et tout, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça va, quoi. Il y a 5-2. Mais... Où, genre, tu mets un long ballon devant, ça fonctionne. Ça se trouve, ma chloch tactique, elle remarche. Hein. Mais bon, du coup, les gars. Il reste un match. Un match et 4 équipes peut-être. Ça dépend du résultat de Chelsea. Un match et peut-être 4 équipes. Man City, il faudrait un bon concours de circonstances pour qu'il gagne. Oh, 5 passes d'aide, Kangi Beni, bien joué mon pote. City, il faudrait un sacré concours de circonstances. Mais ça peut être, c'est possible. Chelsea, s'il gagne... Bah je crois que Chelsea c'est le même scénario que... Non, Chelsea s'ils gagnent ils sont à 80 comme Manu, ok. Ouais, mais on a notre destin entre les mains les gars, c'est le plus important. C'est le plus important. Ah, Newcastle est maintenu. Ça c'est une bonne nouvelle aussi parce que... Genre je sais pas s'ils prennent ça en compte aussi dans le jeu. Mais enfin une équipe qui a sauvé le... Oh par contre il est si fort déjà Beltran. Incroyable. Pas trop en milieu parce qu'il sait pas défendre, mais en attaquant, il est pas mal. Ouais, genre dans la vraie vie, une équipe qui s'est déjà sauvée à la 38e journée va jouer un peu plus light que si elle doit assurer son maintien, quoi. Y en a, ils peuvent mourir sur le terrain pour assurer leur maintien. Ce sera peut-être pas forcément le cas de Newcastle. Oh, Luis Navarro était fracture avec la vécu. On a un petit jeune dans les 23 là qui peut jouer sur l'aile gauche au cas où. MODC, ouais non frère. Pas un gars qui peut jouer à gauche. C'est qui ça? Un bras mauvais. Bon, on va t'envoyer un senior juste pour ce match mon pote. Oh le petit Liverpool Chelsea. Si Liverpool gagne, Chelsea out. C'est simple comme bonjour. Même s'il y a un match nul. Bah voilà. Chelsea out, il reste plus que 3 équipes. Il reste plus que 3 équipes. Il y a City. Pour que City gagne, il faut que nous deux on perde. Tout simplement. Pour que United gagne, il faut que on perde. Et qu'eux ils gagnent. Donc un match nul et on est à 99% genre champion, je pense. Parce que. Enfin, il faudrait que Manu gagne par 3 buts d'écart. En vrai, c'est possible. Je sais pas contre qui il joue, on va voir ça tout de suite. Leicester à l'extérieur. Ah.
De toute façon, on va calculer ça après, les gars. Une fois que le match est fait, on va se le regarder en mini résumé. Hein. Ça, c'est sûr. Van de Voort trahit ses troupes. Record d'homme du match en vue pour Kyung Ebeni. Oh, quelle saison il a fait. On l'a mis au 4,5 virtuel. Non, toujours 4. Oh, qu'est-ce qu'il est rapide, par contre. Qu'est-ce qu'il est rapide. Mais la fiche est faible. Il sait vraiment juste courir. Allez, les gars. Personne ne nous donnait la moindre chance de remporter le titre en début de saison. Alors, ne soyez pas trop déçus si vous n'obtenez pas la victoire qu'il nous faut lors de la dernière journée. Je suis d'accord avec le coach, le titre n'était pas notre objectif cette saison. Alors si nous ne l'obtenons pas, ne voyons pas ça comme un échec. C'est exactement le résultat, le genre de résultat que j'attendais en vous parlant, les gars. Rapport d'entraînement concernant Plata, pourrait beaucoup progresser. Ouais, je confirme. Prendre Georgiev, il est redescendu 2,5, c'est pas ouf ça. C'est pas ouf, monsieur Georgiev, qu'est-ce que tu nous fais? Je pense qu'il s'est pas mal blessé quand même. Mais il a joué 31 matchs, hein. Sonzoni qui prend de l'épaisseur au meilleur moment, ça fait plaisir. Regardez cette balance de transfert là, magnifique. Un petit point avant le dernier match, on a vendu pour 202 millions, on a acheté pour 182. Je sais pas où ils ont cherché à trouver les 180 en plus là, mais t'inquiète. Enfin les 80 en plus, pardon. Mais t'inquiète. Allez les gars, on est parti. Moi je sauvegarde pas. Je sauvegarde pas, le résultat qui va venir, c'est le résultat qui va venir. On a déjà notre petit polyvalent qui est, Fernandez. Ouais. On a Abramovic qui est là, on a 3 joueurs qui peuvent jouer en attaque, ça suffit, il n'y en a pas besoin d'un, au cas où. À prendre plutôt un gars qui peut jouer... Ouais, allez Jonathan, let's go. Let's go, let's go, let's go. Allez, c'est parti. On va peut-être même se le faire en petit... Ouais, non, mini résumé, ça devrait suffire. Comme toutes les finales qu'on a fait jusqu'ici. Ah, là, c'est une finale, hein. C'est vraiment une finale, j'ai envie de vous dire. Hop, mes pauses, mini résumé. Et on est parti. Premier temps fort du match. Est-ce que c'est eux qui vont l'avoir? Ah, merci, les gars. Super, le temps fort. On se tient au courant à droite des résultats, pour l'instant 0-0 partout, ça fait 2 minutes que ça joue. Merson Fabiano avec Perez, la passe en profondeur pour Georgiev, ça décale Kyung Ebeni, prendre la vitesse mon pote, n'arrive pas. Passe en profondeur pour Salvi, la raid. Je sais pas comment il s'appelle. Kyung Ebeni, allez. Oh, un nœud de bon centre. Ressort. Second poteau, Georgiev, la raid d'Alberg. Aïe 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 d'Alberg, j'ai l'impression qu'on va le voir souvent ce nom. Chelsea qui mène 1-0, mais bon, c'est pas de notre préoccupation. Emerson Fabiano. Kyung Ebeni. Non! Pas toi, mon fils, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. City qui gagne contre Brighton, hein, donc faut faire très très gaffe. Qui j'ai dit qui gagne ou qui joue? Je pense que j'ai dit qu'il gagne, mais il joue contre Brighton, donc faut faire gaffe. Parce qu'ils vont probablement gagner. C'est pas sûr, mais probablement. Allez, Georgiev, on la perd pas. Kamavinga non plus. Kamavinga, qu'est-ce qu'il nous fait? Reviens. Oh, la talonnade. Allez. Sors. Voilà. Prendre la largeur. Voilà. Elle est belle. En retrait. Penalty. Oh, monsieur l'arbitre. Ah, pour l'instant, aucun de nos rivaux n'a ouvert le score. Peut-être nous, là, sur ce corner. Oh, encore d'Alberg. Elberg qui va me sortir son meilleur match de l'année là. Allez, Sancho qui revient en arrière, tranquille. C'est pas mal ça. Salvi. Oh, l'arrêt de Dalberg encore. Pontus, ne nous fais pas ça. Ok, Kyung Ebeni qui a voulu laisser la touche plutôt que de rejouer le centre derrière. Perez, la touche qui est ratée. Ça revient sur Perez, Fabiano. Georgiev, Perez à nouveau. Kyung Ebeni, tu es où? Ispizoa. Qui décale, Kyung Ebeni était là-bas, ok. Kyung Ebeni. Enroule. Oui, Salvi. Oh. Allez, c'est parfait. Nos deux meilleurs joueurs cette saison, ils sont là. Allez, le but du break, les gars, pour éviter de se prendre une contre-attaque, parce que Dalberg, il a l'air d'être très très chaud. Parce qu'en en vrai, genre Dalberg, il était grave présent sur la frappe de Kyung Ebeni. Et Salvi, il a coupé. Sancho, Ispizoa. Dalberg. 1-0 pour Leicester, magnifique.
1-0 pour Leicester. Allez, Emerson Fabiano, la tête, la tête. Oh, penalty, 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 penalty. Oh. Allez. C'est qui ce grand dadé là? Quelle erreur. Oh. Le héros inattendu. Quelle erreur. 2-0. Par contre, il y a 2-14 d'XG, les gars. Si on gagne pas ce match, c'est vraiment que le jeu ne veut pas qu'on soit champion. Hein. Van de Voort, la relance propre sur le côté avec Perez. Camavinga, la paire pas, s'il te plaît. C'est bien. C'est parfait. Et Sancho. Sancho, le centre. Camavinga, en retrait. Oh, mais par contre, Dalbert, t'es en feu, mon pote. C'est incroyable. Tu fais vraiment ton match de l'année. Hein. Je suis sûr que, genre, il fait vraiment une grande saison d'Dalbert et c'est grâce à ça que Newcastle est pas relégué. Hein. Que pour l'instant, franchement, c'est le seul joueur qu'on a vu. Oh, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, vous l'avez vu. Monsieur l'arbitre, vous l'avez vu. Le coup franc. Le but. Pimpon, pimpon, pimpon. Ça, c'est le bruit de la police qui va devoir arrêter tous les fans de Bournemouth qui demain vont fêter le titre, les amis. Les gars, 3-0, plus rien ne peut nous arriver. Plus rien ne peut nous arriver. Ah, oh, par contre, Dalbert, il est incroyable. Les gars, le titre, la première ligue est là, dans nos poches, les gars. Ah, oh, on avait juste besoin d'un peu de repos, en fait. Hein. On a vraiment juste besoin d'avoir une grosse semaine après le match contre City et c'est reparti. Non, en vrai, le game changer, c'est de tomber contre Tottenham, qui est vraiment l'équipe qu'on bat toujours. Genre, quand on est en super mauvaise forme, c'est toujours Tottenham qu'on bat. Genre, peut-être pas toujours, mais à chaque fois qu'on est en mauvaise forme et qu'on affronte Tottenham, on les bat. Mais Dalbert, c'est un truc de fou furieux. Oh, Dalbert, le match. Là, c'est notre faute. C'est notre faute. Oh, Dalbert, le match de fou. Manu et City qui doivent être en train de se mordre les doigts quand même. Bon, ils gagnent pas leur match, donc c'est leur faute. C'est leur faute. Nous, on est là. Oh, ça a vu le doublé sur coup franc. Dalbert qui a fait le petit pas sur sa droite. Le petit pas de trop, malheureusement. Ah, yes. Ah, je suis content. Je suis content parce que on va gagner un titre qui est quand même largement mérité. Mais quand je dis largement, c'est largement, genre. Largement. On avait 10 points d'avance et on se faisait voler match sur match. Les deux seuls matchs où on a mérité de perdre, c'est contre le PSG. Si j'ai pas honte de le dire, on s'est fait atomiser par le PSG. Il y a eu que 1-0 en finale sur l'ensemble des deux matchs. Mais on s'est fait atomiser, genre c'est eux qui ont eu toutes les actions. Et c'est tout. Le reste des matchs, on était présents et on méritait absolument pas de faire genre 6 matchs d'affilée sans gagner en première ligue. Alors que là, regardez ce qui arrive là bientôt, après cette action là. Allez, enlève-moi ça vite. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la parade. Pourquoi on n'a pas le trophée? Pourquoi on n'a pas le trophée comme en Ligue des Champions et tout ça et tout ça? En tout cas, les amis, vous l'avez vu, bah, ça va apparaître là maintenant, de toute façon, regardez bien. Je crois que ça va apparaître maintenant. Tac! Bilan de fin de saison, les amis, j'ajouterai même bilan de fin de carrière. Une première ligue, une super coupe de l'UEFA. On a gagné la première ligue avec Bournemouth, les amis, saison 2026. Il nous a fallu 6 saisons pour gagner la première ligue et la Ligue des Champions. Et j'ai envie de vous dire magnifique, les gars. On va pas trop s'attarder sur ça. On va plutôt s'attarder sur le fait qu'on est premier avec 85 points. Oh, quelle deuxième partie de saison de merde, quand même. Hein. On a marqué moins de 30 points sur la deuxième partie de saison. Non, qu'est-ce que je dis? Moins de 40 points, pardon. On finit avec 3 points d'avance, du coup, sur City. United et Chelsea, 3ème et 4ème, enfin 4ème et 3ème dans cet ordre-là, avec 80 points. Une élimination en quart de finale, on l'a saboté, hein, concrètement, genre. On l'a saboté pour aller chercher ce titre. On avait gagné la Super Coupe de l'UEFA au Péno. Les FA Cup, pareil, on l'a saboté. La Carabao Cup, on l'a saboté. Et c'est le seul trophée qui nous manque à notre palmarès. C'est le Community Shield, et on va clairement pas faire une saison pour le Community Shield, les gars. Vraiment, hop. Vraiment up. Incroyable, les gars. On va aller voir ce petit 11 type une dernière fois.
Ça, c'est l'équipe type de la saison, celle qui allait gagner le titre de Première Ligue. Van de Voort, 7 de notes. Il était à beaucoup plus. Hein. Il était à beaucoup plus. Et il y a eu le dernier mois et demi qu'il a coulé. Plata, Musiek, Keller, Ispizua, Ortiz, Georgiev, Tarcisio, Kangebeni, Sancho, Salvi. Et je vous l'avais dit, Kamavinga, il n'est pas dedans. Kamavinga, il n'a pas fait une excellente saison. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Les joueurs de Bournemouth doivent tout à leur superbe début de saison qu'il a tout de suite mis sur les bons rails. Les joueurs de Bournemouth ont bien débuté la saison et ont ensuite semblé inarrêtables. Oh, le doublé pour Bournemouth. Incroyable, incroyable, incroyable. On a gagné la Première Ligue 4 ans avant la date prévue, c'est-à-dire qu'à un moment, il l'avait quand même. Mouibi mène Bournemouth au sommet. Les fans de l'AFC Bournemouth ont scandé le nom de l'entraîneur FM Mouibi qui a mené leur équipe à la victoire en Première Ligue. Un site de supporters a affirmé qu'en remportant ce trophée, Mouibi avait montré tout son attachement pour le club. Suite au triomphe de Bournemouth en Première Ligue, Nathan Aké, toujours très populaire au club, n'a pas taré d'éloge à l'égard de l'entraîneur FM Mouibi. Aké, qui évolue désormais au Benfica, qu'est-ce que c'est Benfica par rapport à Bournemouth maintenant sur la scène mondiale, a déclaré que Mouibi avait parfaitement géré la pression malgré le statut de candidat au titre de son équipe et méritait l'admiration de tous pour avoir maintenu le cap tout au long de la saison. C'est faux, on a vraiment cédé sous la pression à un moment, mais heureusement, Tottenham est passé par là. Salvi qui lâche son triplé dans le match pour le titre, quand même magnifique. Oh, 22 médailles distribuées. Nouveau record pour Bournemouth. Et c'est vrai, quand même, on remarquera. Première Ligue, 66 points, 67, 73, 75, là 72, à 85. Ok, attendez, c'est pas dans l'ordre chronologique. On va le refaire dans le bon ordre. On est revenu en 2021-2022. 73, 67, 66, 72, 75, 85. Et la progression a été difficile au début parce qu'on a changé pas mal de joueurs de l'effectif, mais la progression a été efficace. On va accepter les directions actuelles. On va faire la réunion de fin de saison, ouais, qualification pour Ligue des Champions, ça suffit pour l'année prochaine. Hop, on discutera des promesses à la rentrée. On va en Chine, tout ça. Et on va faire juste le bilan, ouais, on s'en fiche de ça. Oh, entraîneur de l'année pour terminer. On va faire le bilan du coup de ce qui a été gagné. Tout simplement. Un petit récap de cette carrière. Pour terminer là. Première saison en Skybet Championship du coup. On est champion et on gagne la Carabao Cup. Incroyable quand même. Incroyable. Est-ce qu'on a le classement de Skybet Championship? On doit l'avoir ici. Ah, non, parce que je l'ai enlevé, je suis trop bête. On l'a pas, mais on l'a gagné assez largement. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça pour faire le bilan. Deuxième année, on gagne la Conference League contre le Werder Bremen en finale. Troisième année, saison blanche, c'est vrai. Mais une sixième place et tout. Enfin, c'était l'année un peu du renouveau. L'année d'après, on gagne la FA Cup en battant Chelsea en finale. Toujours sixième. Un peu maudit, hein, cette sixième place, mais c'était nécessaire pour aller franchir le palier. Qualification en Ligue des Champions, finissant quatrième. Saison blanche, c'est vrai. Mais ça a permis l'année d'après de bâtir une équipe avec l'argent et tout, les petits cracks qui percent au plus haut niveau, gagner la FA Cup, gagner la Ligue des Champions. L'année d'après, super coupe de l'UEFA et une Première Ligue. Les amis, c'est incroyable cette carrière. 391 matchs, on les a pas tous montrés, c'est vrai. On a dû en voir genre au moins 320, je pense. C'est vraiment fou ce qui s'est passé. 243 victoires, 64 matchs nuls, 24 seulement 24 non, OK, j'ai mal lu. 84 défaites, je me disais comment ça 24 défaites, genre on n'a pas été si fort que ça quand même. 910 buts marqués, 490 encaissés, quelle belle différence de but quand même, 420. Genre c'est vraiment rond, genre 0 0 0. 62% de victoires, 6 coupes, 2 championnats et une promotion. Et 20,5 millions gagnés. Franchement, moi je vous quitte là-dessus. Dites-vous qu'un entraîneur qui a fait ce que j'ai fait là dans la vraie vie, il gagne 20,5 millions et il gagne tous ses trophées. Je pense que c'est une belle conclusion pour... En plus, regardez, dernière chose. Alors, vraiment dernière chose pour montrer que c'est pas juste l'argent qui nous a fait gagner. On a acheté 157 joueurs pour 1,04 milliard. On a vendu 144 joueurs pour 1,03 milliard. Les comptes sont pratiquement à l'équilibre. Incroyable. Au million près, on a vendu autant que pour qu'on a acheté. C'est fou. Bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. J'appellerai ça une aventure parce qu'il y a quand même eu, je crois, 143 épisodes. C'est beaucoup. Ça a été long de tourner tout ça, mais c'était un grand plaisir. Beaucoup de frustration, beaucoup de grosses joies et ma première aventure sur YouTube.
J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres. On verra ce que l'avenir nous amène. Hein. Mais voilà, merci à nouveau à tous. Je vous dirai pas on se voit dans le prochain épisode parce qu'il n'y en aura pas. Donc on se voit pour la prochaine vidéo, quel que soit le thème, quel que soit le sujet. On se voit pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, comme on dit chez moi, bye.